C'est une des formules possibles parce qu'il y en a beaucoup, avec beaucoup de bons joueurs, des joueurs qui ne démarreront pas notamment. Mais Didier va gérer cet effectif-là pour deux matchs. Mmh. Et déjà, on verra des changements en cours de match et on verra aussi beaucoup de changements pour les Allemands qui sont quand même supérieurs, logiquement, à cette équipe de Pays de Galles.